suffisant, vous pouvez filer la langue. Dire non, c'est pas pour les garçons. Moi c'est Laetitia, j'ai 27 ans, je suis animatrice sportive grâce à Just Keep Dancing avec qui j'ai travaillé en partenariat depuis 2007. J'ai commencé comme bénévole, je prenais les cours de danse et puis bah, maintenant c'est moi qui en donne. J'en ai fait mon métier. Aujourd'hui, vous allez pouvoir assister à une des interventions de prévention dansée avec Virgile, Karina, Céline et Sarah. L'objectif, en fait, c'est de briser la glace avec la danse et de pouvoir justement créer un débat avec les jeunes qui sont face à nous, donc le public, qui lui-même devient acteur après de l'intervention, en fait. C'est eux qui se renvoient la balle et c'est eux qui se passent les messages. Je vous posais une affirmation. Et vous allez me dire si vous êtes plutôt d'accord ou pas d'accord. Ramataba, je suis coordinatrice de la prévention dansée. Les filles savent mieux repasser que les garçons. Donc d'accord ou pas d'accord? Tout se fait naturellement parce qu'ils ne s'attendent pas à ce qu'on vienne en gros à faire de la prévention. Donc on danse, ensuite on débat. Et comme c'est sous forme de jeu, bah automatiquement, on a 10-15 jeunes qui veulent participer. On n'a pas à aller les chercher. Moi, je pense. Le papa reste à la maison. Enfin, la fille reste à la maison. Il y a encore des foyers comme ça, je pense. C'est un discours non moralisateur. Donc vraiment, en toute transparence, on ne donne pas notre avis, nous, animateurs danseurs. Donc du coup, les jeunes sont là en train de discuter entre eux. Et c'est beaucoup plus intéressant pour eux comme pour nous. Moi c'est Virgile, donc j'ai 22 ans et je suis volontaire en contrat service civique au sein de l'association Just Keep Dancing. Moi j'ai vraiment envie de me diriger dans la danse et donc de donner mes propres cours de danse au sein de l'association. Et l'association est toujours derrière les volontaires, derrière les bénévoles, les salariés pour les aider à construire leur projet. En fait la Fondation de France a permis de passer de l'idée au projet, tout simplement. Donc apporter les subventions pour que ça en devienne un réel projet. Là, on est en train de voir comment monter une entreprise sociale et solidaire, parce qu'on n'oublie pas nos valeurs, pour vraiment consolider notre projet et faire en sorte qu'on évolue pour l'instant localement et pourquoi pas au niveau national. Et tout compte fait, je suis prof de danse en Normandie, à Paris et maintenant dans les Vosges aussi. Voilà, je crois que ma vie aurait été bien différente, mais peut-être un petit peu plus monotone quand même. Voilà. Et je ne serais pas autant épanouie que je le suis là, c'est sûr. Donc l'affirmation est les filles savent mieux repasser que les garçons. Je commence de quel côté? D'accord ou pas d'accord? Pas d'accord? Ok, approchez-vous parce qu'on ne vous voit pas.